trh podnikání v Bruselu. Tomas Verdier Fuentes je absolventem inženýrské školy v Lille ve Francii. Je odborníkem na podnikání. Účastí na tomto veletrhu završuje svou výměnou stáž Erasmus pro mladé podnikatele. Vedle něj stojí Thierry Vandenbroek, ředitel hostitelské neziskové organizace Poseco. Ale vraťme se o několik měsíců nazpět. Notre ASBL, qui s'appelle aussi Centre d'information pour une économie positive, en fait fait la promotion de tout ce qui peut dans l'économie apporter une contribution à la société. Donc ça peut être des concepts comme le commerce équitable, les investissements éthiques, la construction écologique, le tourisme responsable, enfin tous ces concepts-là. V rámci své kandidatury na účast v programu Erasmus pro mladé podnikatele Tomas představil svůj podnikatelský plán nazvaný Nabít, zaměřený na postupy při získávání finančních prostředků pro malé a střední organizace. Dans mon projet, j'ai ressenti peut-être parce que je venais de finir l'école, un manque d'expérience et le programme Erasmus pour jeunes entrepreneurs permet justement en lien avec son projet de développer une compétence forte. Chez un entrepreneur aguerri déjà dans le même secteur d'activité. Nezisková organizace Poseco patří do odvětví sociálního podnikání, ve kterém působí mnoho mladých Evropanů. Během této pětiměsíční stáže se Tomas mohl naplno věnovat rozvoji a řízení svého projektu. Cíle stanovené v jeho podnikatelském plánu zcela odpovídaly potřebám Poseca. Alors c'est la première fois qu'on fait appel à ce programme Erasmus Young Entrepreneur. Il est clair que pour nous, la première chose, c'est que ça nous permet d'avoir quelqu'un en plus dans l'équipe. Donc c'est une personne qui peut contribuer concrètement à des activités qu'on a. Donc il y a un win-win qui était indispensable pour nous pour pouvoir accueillir ce genre de stagiaire. Thierry Vandenbroek pověřil Tomase přesně stanoveným úkolem. Zřídit a koordinovat síť s více než 35 sociálními organizacemi. Musel se naučit pracovat, vést jednání a společně se svými kolegy přijímat rozhodnutí. Ce qui pour moi m'a pris le plus dans mon expérience ici à Poseco, c'était de partir d'un projet embryonnaire, donc le faire éclore et l'amener à maturité jusqu'au salon Entreprendre de cette année. Tomas, hovořící francouzsky, se zdál být předurčen k úspěšnému naplnění svého poslání v Bruselu. Thierry však ocenil i jeho znalosti dalších cizích jazyků. Program podporuje úsilí o internacionalizaci malých a středních podniků. Je pense que déjà, en fait, créer des synergies, des relations entre les pays européens permet à quelqu'un qui est national de commencer à penser en dehors de ses frontières. Et donc c'est une première manière de s'ouvrir au monde. Donc c'est essentiel et c'est un bon argument, un bon alibi, je dirais, en fait, de forcer peut-être d'une certaine manière des échanges pour que chaque personne comprenne que le marché est aujourd'hui un marché international. Evropa představuje unikátní trh s 500 miliony potenciálních klientů, trh, se kterým může Tomas do budoucna počítat. Donc le côté international au niveau du business, on pourra mais clairement le ressentir en tout cas dans l'entreprise que je créerai en rentrant en France, sur les relations que j'ai pu tisser ici, les relations avec tous les entrepreneurs du réseau notamment, les relations ici avec Poseco, et clairement ce sera un plus le jour où je déciderai de venir élargir mon travail et mon activité à la Belgique. Tomasova mise byla úspěšná. Díky této stáži v organizaci Poseco se všichni podnikatelé, které měl Tomas v rámci své stáže na starost, zúčastnili veletrhu podnikání. Il est clair que travailler avec un stagiaire professionnel qui vient en plus d'un autre pays, mais ça nous fait penser parfois les choses autrement et ça nous demande aussi d'avoir la capacité en fait d'avoir confiance en fait dans ces jeunes entrepreneurs. Ce qu'on a fait par la force des choses et le return c'est du 300%, quoi.